Bien salut à tous et à tous, c'est Dingo Crash, et on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo où je m'amuse encore une fois à dépouiller le Noz Bazar. Avant toute chose, vous m'apercevez sur un nouveau personnage Dingo Crash 2, tout simplement pourquoi Bah parce que ce personnage j'avais complètement oublié, vu que je reviens sur le jeu après deux ans d'arrêt, j'ai complètement oublié qu'il y a eu la fusion des serveurs. Et avec la fusion des serveurs, ce qui a fait que mon personnage qui était sur le serveur 5 s'est retrouvé sur le serveur 2, sur un autre compte que celui que j'ai fait dans ma précédente vidéo, bien sûr, sinon je m'en serais aperçu avant. Suite à ça, j'ai pu reprendre mon personnage niveau 86 qui s'appelait sur le serveur 5. Pour ceux qui me reconnaissent et qui me connaissaient, Titus LRT, je leur fais un petit coucou. Et je l'ai renommé Dingo Crash, euh, Dingo Crash 2 du coup vu que le 1 j'ai la flemme de me reconnecter sur l'ancien compte pour supprimer le 1 et mettre le 1 là puis le 2 ça fait un peu plus stylé enfin bon bref suite à ça sur ce personnage là j'avais 50 millions qui est une bonne base 50 millions c'est pas excessif c'est pas c'est pas euh, peu on va dire c'est pas rien c'est pas beaucoup c'est ce qu'il faut pour pouvoir lancer une personne dans l'achat revente. Pour moi. Si tu veux vraiment débuter dans l'achat revente, tu pars sur une base de 50 millions. Pourquoi bah Parce que regardez, j'ai repris, sans vous mentir, hier sur ce personnage-là, avec mes 50 millions, j'en ai plus de 13, sachant que j'ai vendu, j'étais descendu à 3 millions. Pourquoi bah Parce qu'avec 50 millions, on peut se permettre d'acheter plusieurs sortes de choses. Donc là, il y a un peu de tout, euh, à des prix différents. Donc, voilà, il y a des haut-parleurs, il y a... Une amulette, il y a un coffre, il y a, il y a plein de choses. Euh, des potions qui sont vendues, que j'ai dû acheter un K2 ou un truc comme ça. Vous voyez, par exemple, les potions. On les achète un K2. Donc, euh, j'en ai acheté combien euh, Il y a marqué 60. Donc 60 fois 1K2, ça fait 72K. Vous dites un k 2 c'est rien. Qu'est-ce qui va faire un bénéfice de 1K sur un, un objet d'un K2 Bah ouais. Sauf que là, j'ai doublé, doublé mon, mon truc. Donc voilà. Alors, je vais vous expliquer un peu après comment je fonctionne. Même si j'ai déjà expliqué, mais bon. Alors, <laughs> première chose, regardez surtout le prix des amulettes de renforcement, les bleus, car elle varie beaucoup. Et je les ai toutes achetées. Alors là, il n'y a pas tout. Hein. Donc là, j'en ai quelques-unes, comme vous pouvez le voir. Qui sont là. Je les ai toutes achetées à 450K unités. Je les revends 700K unités. J'en avais une vingtaine. Euh, là, il y en a beaucoup qui sont partis et à continuer de partir et puis voilà. Alors, comment je fonctionne Ah oui, avant, excusez-moi, j'ai aussi 145 millions qui sont à disposition dans ma banque. Ça, je les avais déjà avant. Euh, quand j'étais sur serveur 5. Donc euh, c'est une petite découverte que j'ai fait en plus. Donc j'avais vu 50 millions en, en, en or pur, on va dire. Et quand je suis allé dans la banque j'ai vu qu'il y avait 145 millions donc j'étais assez heureux alors comment je fonctionne tout simplement il y a beaucoup déjà beaucoup de vidéos achat revente que moi j'aime pas trop faire quand il y a beaucoup parce que en fait vous n'avez pas besoin d'aller voir ma vidéo pour aller euh, alors qu'il y en a pas mal qui sont faites mais vu que tous mes amis in-game que j'ai connus il y a 10 ans ou que, que je connais dans la réalité aussi n'arrêtent pas de me dire « À chaque fois que tu reviens sur le jeu ou à chaque fois que tu es là, tu as beaucoup d'argent, comment tu fais ?» Je fais « Mais il y a plein de vidéos qui vous expliquent l'achat-revente, <laughs> mais ils veulent vous savoir. » Alors bon, je leur explique, mais je vais aussi l'expliquer à vous parce que j'ai envie de vous le faire partager. Alors, comment ça marche Par exemple, première chose, je ne l'achèterai pas, mais c'est un exemple. Imaginons que c'est des plumes d'ange ou des PL. Vous avez 38 aiguilles. À 99k 900 si je veux acheter ça fait 3 796 à la ligne d'en dessous vous voyez qu'elles sont à euh, 110 000 alors j'enlève pas le j'enlève pas le, le, le là les 38 parce que justement je vais faire le calcul donc 38 à 3 796 imaginons que vous les vendiez 109 999 qui est le chiffre juste en dessous euh, de Zozo qui les vend à 110 000. D'accord Donc on fait 38 000. Je le fais sur mon téléphone, donc vous ne pouvez pas voir, mais bon, vous me faites confiance. Pour faire, je pourrais faire chez vous aussi. 38, 38 fois 109 000. Donc on est à 4 179 962 or. Qui fait un bénéfice de 400k. Vous dites que ce n'est pas beaucoup, mais quand vous regardez ce que moi je vends, je peux vendre... Euh, un casque de protection, fantôme, des sables à 1 k, que j'ai dû acheter 500 or. J'achète tout, tout partout où je peux faire un bénéf, je le fais. Que ça me mette six mois, deux heures, un an à se vendre, je m'en bats les couilles. Je reste sur mon prix. C'est voilà. Enfin, je reste sur mon prix. Sans me parler, là les haut-parleurs par exemple. Si je vois, ah oui, et surtout vérifiez tout le temps vos... ce que vous avez acheté. Les haut-parleurs, je vois qu'il y a deux personnes, qui... une personne qui est passée devant moi, enfin derrière moi. 34 440, ça me va parce que je les ai achetés 20 KU, donc je serai toujours dans le BNF, il n'y a pas de souci. Je vois que la personne est passée à 34 444, et bah ben, je termine, hop, tac, et là je vais les inscrire à 34 443. faut toujours, toujours vérifier. 43, euh, non, oula, 43. 34 443, ouais, ça doit être ça, je vais vérifier parce que je ne suis pas sûr. Ouais, c'est ça. <laughs> toujours, toujours, toujours. Ensuite, euh, tout, 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 toutes les parties qui sont là dans les catégories, toute la catégorie, toutes, sans exception, vont, vont pouvoir vous rapporter de l'argent. Toutes les catégories, toutes. Alors quand je dis toutes, c'est vraiment toutes. Hein. Donc euh, vous regardez, faut vraiment passer. De toute façon, c'est simple. Moi, j'aime l'argent, que ce soit dans la vraie vie, <laughs> comme tout le monde. Hein dans la vraie vie ou dans l'hostal, j'aime l'argent, je veux être riche. Pour être riche, il faut s'en donner les moyens et surtout, il faut être patient. Donc, moi, 80%, 80 de mon temps de jeu nostal, c'est de l'achat-revente. 80% de mon temps de jeu nostal, c'est du nos bazar. Et à ne pas confondre avec plusieurs personnes, je ne réponds pas aux orateurs. Je n'envoie pas d'orateur. Quelqu'un qui dit vend offre en or, je ne vais pas lui répondre. Jamais je vais envoyer un orateur disant. Achète offre en or. Jamais vous verrez un orateur de Dingo Crash disant achète offre en or. Jamais. Moi, mon offre en or elle est là. Je les regarde là-dedans et je fais là-dedans. Donc là je ne connais pas le produit, je ne connais pas la donc je ne peux pas vraiment dire. Mais si je connais et que ça se vend très bien, de la première, donc de 106 sous qu'il la vend à 8K495 jusqu'à celui-là, 9K3, tout ce qui est en dessous là, tout ce qui est en dessous de 9K3, je l'achèterai. Et je mettrai à notre cas 299, parce que ça vous fait un bénéfice. Et tous les bénéfices sont bons à prendre, tous. Et c'est comme ça que vous vous, vous ferez de l'argent. De toute façon, c'est simple, j'ai commencé la vidéo à 13 millions. Euh, ça fait 7 minutes que ça tourne, je suis à 15 millions. Voilà. en enfin, 7 minutes, 2 millions dans la gueule. Avec des choses que j'ai achetées et que, je, que je, je peux acheter dans la, dans la minute, quoi. Genre des choses, des choses que tu peux acheter dans la minute, je sais pas, là tu as 304 bénéfices à faire. Euh, non, oula, excusez-moi, j'ai pas, pas fait gaffe. Excusez-moi, j'ai pas fait gaffe. Il n'y a pas du tout de bénéfices à se faire là. J'ai pas vu. Pas bien. Il euh, y a vraiment tout... Euh, le Noci que j'ai acheté, alors je sais pas, moi après je suis resté sur les prix d'avant. Hein. J'ai acheté un Noci 6 millions, ça me paraissait peu. J'ai vu qu'il y avait un Noci à 17 millions, et bien je l'ai acheté, je l'ai mis à 12 millions. Je double, je double mon bénéfice. Après, Il y, y a plein d'autres choses. moi bon, alors les, les costumes, non, on va éviter. Euh, je sais pas, spécialiste, euh, boîte SP, tac. Là, on peut voir qu'il y, qu y a 40k, donc il ouais, y a 50k de bénéfices sur une boîte SP, non. Par contre, si tu achètes toutes les boîtes SP, donc de celle-là jusqu'à celle-là et que tu les vends tous, ouais, non, il n'y a pas, il a pas. Quand il n'y a pas, ça ne sert à rien, il faut attendre, il hein, faut zapper, tu te dis, bon, voilà. Après, il euh, y en a qui sont font des achats-revente achats de SP, euh, moi je trouve que. Ouais, déjà faut s'y connaître et puis pour ce... les gens qui commencent ça sert à rien les gens qui commencent si vraiment vous commencez l'achat revente vous allez soit dans principal soit dans consommable hein, c'est ce qui est le moins cher et vous allez euh... par exemple vous allez vous, vous, vous scrutez les prix faut toujours scruter les prix par exemple là je regarde ouais non faut toujours scruter les prix donc là je vais faire une petite pause sur la vidéo et je vais vous reprendre dès que j'ai une offre quelque chose que ça veut dire quelque chose qui m'intéresse quelque chose que je vais investir pour revendre plus cher donc, je vais vous laisser et je vous reprends dès que j'en trouve une. Ça y est, j'ai pas mis longtemps après votre coupure. Hein. Je suis à peu près sur la même page, je crois même. Là, on peut s'apercevoir qu'entre Winchester, qui les vend 70k, on va arrondir, hein, et Flickers et Omega, il y a 9k d'écart. Qu'est-ce que je fais Direct. Euh, Batch pour familier, ouais, mais ça se vend pas trop. Ah, attendez c'est euh, ouais, à dire qu'il faut qu y ait... euh, ouais. ça va mettre énormément de temps à se vendre hein, ça c'est sûr et puis les prix euh, en, en, faut compter sur le temps en fait c'est à dire que là si j'en achète pour 1 million 8 000, je vais les revendre pour 2 millions il y a 204 bnf et si j'en achète 50 ça fait 1 million 8 000, euh, ça fait 1 million 8 ça fait 2 millions 3 millions 3 millions. Et que je les revends, ouais, je fais 504 bénéfices. C'est bien, c'est beaucoup, enfin c'est pas mal. Mais le problème c'est que les badges ça se vend très lentement. Alors, ce que je vous ai dit qu'il fallait être patient, certes. Sauf que c'est quand, quand c'est quelque chose qui se vend très lentement et qu'il faut être patient, il faut qu'il y ait une très grosse marge. C'est-à-dire que ils auraient été à 40 k.u. ou à 50 k.u. je les aurais pris. Pourquoi il faut une très grosse marge Parce que plus ça met de temps à se vendre, plus les prix ils risquent de baisser. C'est-à-dire que plus, à force de faire ce que j'ai fait tout à l'heure, comme je vous l'ai montré, de rediminuer d'un or le prix des haut-parleurs, euh, on, on arrive vite au bénéfice. Enfin on perd du bénéfice. Alors vous allez me dire, ouais mais si tu descends que d'un or ça va mettre du temps. Bah ouais, mais quand je vous dis que ça met du temps à se vendre les badges pour familiers, c'est que ça met énormément de temps. Après, je reste bien sûr sur le... La, sur le, comment dire, sur euh, il y a deux ans. Donc là, 150K si je les achète et quand je les revends, je gagne 40K. Hein, ça, c'est sympa. 40K. Il y a, en fait, si on regarde bien, il y, a, il y a des offres un peu partout à se faire. Mais vraiment un peu partout. Donc, euh, je, me, je me balade. Là, je suis, sur, je suis un peu sur les prix des gens qui débutent l'achat-revente. Ben, parce que, euh, c'est quoi ça Pour faire un item, ça je ne connais pas. Euh, je suis un peu... Euh, ouais, parce que justement, je suis un peu pour les... Je, je m'en fous des gens qui sont HL, dans le sens où ils sont HL, ils savent comment faire. Je suis un peu pour les gens qui débutent. Euh, voilà. Donc, je vous ai un peu montré le concept. Donc, euh, je pense que vous l'avez compris. J'espère que vous l'avez compris. Si vous ne l'avez pas compris, il y a plusieurs façons de me contacter, comme dans la, dans la dernière vidéo, je vous l'avais expliqué. Facebook, Tidus le Retour. Euh, en note, à Dingo Crash, le 2, bien sûr, parce que le 1 est inactif, est mort, d'ailleurs. Donc, Dingo Crash 2, euh, je vous le mettrai dans la description dans tous les cas. Euh, mon Discord, non, je ne le mets pas, parce que c'est personnel. Et euh, sinon, ici, voilà. Alors, Qu'est-ce que je veux entendre par ici? Là, la banque quarry. Pourquoi la banque Ah, bah tiens, j'allais dire quelque chose, il fallait que lui il rentre dans, le, dans la banque. Enfin bon, excuse-moi le truc bizarre. Hein. Bon, je te dis, bon, bref. La banque parce que c'est mon sanctuaire. C'est là où je suis tout le temps. Comme je vous ai dit avant, j'aime l'argent, je vais être riche, qu'elle soit dans le jeu ou dans la vraie vie. Donc, du coup, la banque représente la banque. Hein, voilà. Et c'est là où je suis H39. Si je ne suis pas à l'acte 4, si je ne suis pas en raid, si je ne suis pas en PvP, si je suis pas en drop, si je suis pas en quête, enfin bref, si je ne suis pas dans tout ça, ce qui représente 20% de mon temps de jeu, hein, je tiens à le dire, je suis là. Donc 80% de mon temps de jeu de nostalgie, je suis là. Donc sur 3 heures, 80%, on va dire, je fais pas de calcul, hein, mais on va dire en gros sur 3 heures de temps de jeu. Il y a bien deux heures, deux heures et demie que je suis dans l'achat-revente. Donc je suis dans la banque Quarry. Donc si vous voulez me trouver, c'est sur le S2, Canal 2, à la Banque Quarry. Voilà. Ou alors en note Facebook. Ou en commentaire, bien sûr. Donc voilà. J'espère que je vous ai aidé. Malgré qu'il y ait beaucoup de vidéos, je vous ai montré mon, ma technique pour, euh, pour me faire de l'argent. Donc ça marche plutôt bien. Enfin, je m'en sors plutôt, plutôt bien, pardon. Donc voilà. Merci d'avoir regardé la vidéo. Je vous souhaite un joyeux Halloween. Je n'ai pas fait de vidéo sur l'acte sur 7. Pourquoi bah Parce que j'ai strictement rien trouvé. J'ai essayé de chercher sur Nostal etc. Je n'ai rien trouvé. Donc ça sera pour plus tard. Je m'en excuse. Donc, joyeux, excusez-moi. Joyeux Halloween. Et bien sûr, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Allez, ciao